Est-ce que t'as déjà dragué un homme? Ouais. Une, deux fois ou... Oh, plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais, j'ai tenté. Je me dis, il n'y a pas que aux hommes de faire le premier pas. Alors, j'ai été dans la rue pour demander aux filles si elles ont déjà dragué un mec. Alors, restez bien à la fin pour savoir les réactions de nos intervenantes. Alors, j'ai déjà une candidate ici. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Satis. Satis? Satis. Enchanté, moi c'est Degame. Alors, dis-moi, est-ce que t'as déjà dragué un mec? Oui. D'accord, d'accord. Comment cela est arrivé? T'as eu un coup de cœur pour le gars ou... Alors, je l'ai vu. T'sais, il brillait, c'était la pépite parmi les cailloux. Oh là 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 là. Moi, je suis une femme audacieuse, c'est-à-dire que quand je vois une opportunité, je la saisis. Mm-hmm. Donc, je suis allée, j'ai pris le contact et on s'est mis en couple. Ça a duré combien de temps? Un an et demi. Un an et demi, carrément. C'est, ouais. C'était pas un regret aussi de... T'as pas regretté après avoir connu la personne? Non, on regrette jamais les choses quand on les sent bien. D'accord, parce que quand une fille vient vers l'homme, des fois, ça matche pas vraiment. Ça dépend, mais après, tu vois, faut être. Moi, je choisis des hommes, en tout cas, qui étaient assez confortables avec ça, et c'est mon caractère, donc jamais eu de problème par rapport à ça, tu vois. Et puis, tu fais pas le pas et que l'autre, il fait pas le pas, bah vas-y. Hein. Est-ce que t'as déjà dragué un homme? Déjà? Plus de fois. Mais ça fait pas trop facile pour une fille de venir vers l'homme. Comment tu le prends déjà? Parce qu'en général, les filles, vous le faites pas vraiment. Bah, ça dépend si c'est réciproque, si c'est question de regard, s'il y a des sourires ou quoi, c'est plus facile de l'approcher déjà. Quand une fille vient vers l'homme, c'est toujours facile pour que l'homme accepte? Non, pas forcément. En général? En général, mais pas forcément. Donc ça t'est déjà arrivé de te faire recaler? C'est quand tu dis pas forcément? Non. Non? Non. À chaque fois que tu viens vers l'homme, c'est toujours un oui? Bah, c'est pas non plus 15 personnes, mais sur les 4 personnes que... oui. Et ça a bien marché la relation? Non, ils m'ont tous trompé. Ah, les conséquences de venir vers l'homme, on peut voilà, dire ça. Voilà, c'est alors. Ça, voilà, ouais. Donc j'arrête. Est-ce que t'as déjà dragué un homme? Non. Non? Non. Sérieusement? Non, je suis très arriérée là-dessus. Mais t'as même pas essayé de le faire indirectement? Non, je pense qu'une femme, elle doit donner des signaux. Ça passe par le regard, par des sourires, ou je sais pas. Mais c'est à l'homme de venir. S'il vient pas, bah c'est qu'il a loupé le coche. Bon, là, c'est déjà fait alors de ta part. Comment? Le regard, les signaux, quoi. Ouais. Ouais. Une fois. Ça aboutit à quelque chose? Un bébé. Waouh! Un bébé! Super! Et actuellement, le mec, il sait que c'est toi qui as fait le premier pas, mais indirectement ou pas? Mais on n'est pas d'accord sur la version. Parce que lui, il dit que c'est moi qui suis allé chez Bran. Oh, oh, oh. D'accord. Et d'accord. Pas moi. Est-ce que t'as déjà dragué un homme? Ouais, bien sûr. Comment vous procédez? Les filles. Parce que nous, les garçons, des fois qu'on arrive, on fait des compliments. Bah, tout se joue dans le regard et dans la façon d'être, en fait. Genre, physiquement, on arrive et on essaie de séduire au loin et après on voit. Et d'accord. Après, c'est on discute et on voit ce qui se passe. T'es déjà arrivé? Ouais. Une, deux fois ou plusieurs fois, tu peux pas dire? Je sais pas, deux ou trois fois, j'en sais rien. Ça a marché ou pas? Non. Non? Non. Les hommes, c'est tous des merdes, je suis désolée. Mais non. Mais si. Comment ça se fait une très très belle fille comme ça? Elle vient vers l'homme et ça marche pas. C'est juste que les hommes maintenant, c'est juste comme ça, tu vois. C'est tout. Mais sinon, tu peux encore le refaire ou non plus? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend qui? Si t'as un coup de cœur. Voilà. Est-ce que t'as déjà dragué un homme? Ouais. Une, deux fois ou... Oh, plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais, j'ai tenté. Je me dis, il n'y a pas que aux hommes de faire le premier pas. Mais quels sont tes atouts quand tu viens vers un homme pour le convaincre? J'ai pas d'atout, je me mets pas en parce d'avant. Que nous arrivons les hommes, on fait des compliments, t'es belle, des beaux yeux. Mais ah ouais, non, comment ah ça non. se passe chez les filles? Ah non, tu viens et tu demandes juste si le mec il a envie d'aller boire un verre. Tu lui fais pas de compliments. Enfin, moi j'estime que t'as pas forcément besoin de faire un compliment si tu viens vers la personne et que tu lui proposes quelque chose. C'est que déjà, c'est déjà une sorte de compliment. C'est que la personne t'intéresse, mais voilà. T'as pas assez confiance en toi pour lui pour dire quoi. Est-ce que vous avez déjà dragué un homme? Oui. C'était comment? Parce que c'est souvent l'homme qui vient vers la femme. Ah, c'est trop faux ça. Tu peux faire ça sur Instagram, tu peux faire ça en cours, enfin, t'as plein de possibilités. Est-ce que ça aboutit à quelque chose? Oui. Bah, mon copain actuel. Ah ouais, ouais. Combien d'années déjà de. 3 ans. 3 ans. Ouais. Et c'est toi qui as fait le premier pas? Ouais, il a fait aussi. Enfin, c'était un peu des deux côtés parce qu'on se plaisait. Mais en soi, c'est moi qui fais le premier pas, oui. Super. Même une fille peut faire le premier pas. Ah oui. Est-ce que t'as déjà dragué un homme? Non. Non? Non. Fierté? Peut-être un peu, mais pas conscient, tu vois. Peut-être éducation. Genre, pas quelque chose de conscient. En tout cas, super. On m'a appris que c'est les hommes qui nous courent derrière. On va pas aller courir derrière un monsieur.
premier pas. Non, je fais jamais le premier pas. Jamais. Non. Pourquoi pas? Je sais pas, j'aime pas. Attends, tu en kiffes sur le mec, tu peux pas faire le premier pas? Non. Oh, mais pourquoi? Je sais pas, je suis timide. Ah, donc c'est à l'homme de venir. Oui. Tu le fais même pas indirectement? Bah non, enfin des petits regards quoi, mais c'est tout. Des petits regards, d'accord. Je crois pas. Non? Non, je crois pas. C'est pas encore arrivé? Non, je suis pas du genre à aller vers les gens. Ah ouais? Bah je suis déjà allé demander un snap, mais genre j'ai pas vraiment dragué. D'accord, bah demander un snap c'était pour un but, non? Oui, mais genre j'ai pas vraiment dragué, voilà, j'ai juste demandé, après voilà, fin. Mais ça fait pas trop facile pour la femme de venir vers l'homme, selon toi? Il faut briser cette barrière. Moi je trouve que dans tous les cas, que ce soit l'homme ou la femme, enfin en tout cas pour moi, quand quelqu'un te plaît, faut y aller quoi. Faut pas passer, faut pas la laisser partir. Alors quand vous envie de dire aux filles qui ne souhaitent pas faire le premier pas? Qu'il n'y a pas de sexe pour aborder l'autre, il faut savoir à un moment mettre sa fierté de côté. Et qu'il faut dire les choses, et si tu sens quelque chose qui va bien se passer, bah il faut y aller, parce que au pire t'as rien à louper, tu vois. Mm-hmm. Sinon tu vas avoir le seum, tu vas laisser passer peut-être quelque chose parce que t'as pas osé et tu t'es dit que le mec il voulait pas, alors que peut-être dans son caractère, à lui l'homme, c'est pas, il est pas du genre à aller vers les femmes, tu comprends? Tu vois, super, il faut mettre sa fierté de côté. Exact. Alors, c'est la fin de la vidéo, laisse un pouce bleu s'il te plaît. Laisse un like, c'est pour me soutenir, allez, allez. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread to their ass on new chain. Yeah. My bitch love doing cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot her name. Yeah. I can't vibe in the